Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le coulommier. Alors le coulommier est un fromage à base de lait de vache, à une pâte molle à croûte fleurie. Vous pouvez le trouver aussi bien en lait cru qu'en lait pasteurisé. Je vous invite bien sûr à déguster comme celui qu'on propose sur notre site, le lait cru. Vous aurez beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'arômes qui explosent en bouche avec très peu de fromage. Comme vous pouvez le voir, il a une croûte blanche avec des traits bruns. Alors plus le fromage sera affiné, plus les taches brunes vont s'accentuer. En son cœur, vous allez avoir un cœur crémeux qui peut être un peu crayeux quand il est jeune et qui sera totalement crémeux avec l'affinage. Il peut aller jusqu'à 2 mois d'affinage. Alors historiquement, on l'appelait le brie de petite taille. On pouvait le trouver de différentes épaisseurs. Aujourd'hui, vous allez trouver 2 épaisseurs différentes, le 5 cm excusez-moi, ou 3 cm. Donc, il fera à peu près 500 g le coulommier ou 750 g. Et vous allez le déguster de préférence avec un vin rouge léger, tel qu'un vin de Bourgogne quand il est jeune. Et plus il s'affinera, plus il sera puissant en bouche, plus je vous inviterai à le déguster avec un vin blanc sec, toujours de Bourgogne, qui sont des vins blancs assez puissants. Et bien sûr, vous pouvez le déguster tout seul sur une tartine de pain de campagne, juste excellent. Je vous souhaite une bonne dégustation.